Raven Queen, quel numéro diabolique proposez-vous d'accomplir pour le spectacle de cette année? Non, 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 Mademoiselle Queen, cette musique est trop... agréable. Si vous refusez de vous produire d'une façon qui corresponde à la destinée qui est la vôtre... Puisque mon histoire n'a pas fait exactement pouf, je pense que ça ne risque rien de changer un peu. Et de faire quelque chose qui ne soit pas du genre diabolique. Comme vous voudrez, mais Sparrow Hood s'est déjà inscrit pour jouer de la guitare au spectacle. Sparrow va vous montrer ce qu'il sait faire. Mais ça fait plus d'un mois que je répète mon solo de guitare. Répéter, c'est pour les perdants. Je te signale que tu commences à m'agacer un peu. Je veux dire... Bravo, ça c'est diabolique. Et sa petite amie, Copo, qui curieusement ne dit que des mensonges. Et maintenant, un solo de guitare par Raven Queen. Raven est vraiment fantastique. Pas pour longtemps. Ça suffit. J'ai dit au directeur que je ne voulais rien faire de diabolique. Il faut laisser s'exprimer son côté obscur. Tellement diabolique. Répétez, ça paye. Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans un endroit très apprécié, le salon de thé du Chapelier Fou, un endroit particulièrement étonnant. Blondie Lox va venir ici, mais c'est la fille la plus critique du royaume. On a encore un peu de temps. On pourrait peut-être rendre l'endroit un peu moins merveilleux. Tu sais que tu es le plus On ferait mieux de se mettre au travail. D'accord, les filles, si vous le dites. Bonjour, je te souhaite la bienvenue au salon de thé du Chapelier Fou. Il faut que je te dise, Madeleine, ce n'est pas vraiment comme je m'y attendais ici. Eh bien, c'est comme ça, mon salon de thé familial. Ni merveille, ni folie ici. Qu'est-ce que tu veux boire? Je vais prendre un thé à la menthe enchantée et une barre aux noisettes des merveilles. Tu peux remplir ma tasse? Bien sûr. Oh! Alors, mais c'est une théière qui vole. Oui, exactement. Et il y a tellement d'autres choses merveilleuses et folles à découvrir ici. Aucune de ces horloges n'est à l'heure. Et ces portes vous transportent dans des mondes fabuleux et inconnus. Ça, tu vois, Blondie, c'est le vrai salon de thé du Chapelier Fou. Et je m'en fiche pas mal si on a une mauvaise critique. Parce que pour moi, cet endroit est fantastique. Oh. Au début, le salon de thé du Chapelier Fou ne surprend guère. Il a même l'air un peu ennuyeux. Mais ensuite, il libère sa folle magie et devient incroyable pour toujours et à jamais. Ce salon de thé est tout simplement parfait. Oh, tu sais que tu es mignon, toi. Et donc, votre prochain devoir sera d'établir votre arbre généalogique. Mais souvenez-vous, vos conclusions doivent être basées sur des faits. Oh, qui aurait l'idée de modifier son conte de fées uniquement pour pouvoir se vanter d'avoir des racines royales, pas vrai? Pas vrai? Tu viens, Blondie, il faut qu'on fasse nos devoirs sur nos arbres généalogiques. Oh, je ne me sens pas très... très bien, désolée. C'est sérieux, mais tu étais en parfaite santé il y a 10 minutes. Oui, et bien maintenant je suis malade, compris? Je veux dire, oh, amuse-toi bien, moi je reste au lit. Blondie, dis-moi, tu ne ferais pas semblant d'être malade pour ne pas être obligée de faire ton devoir sur ton arbre généalogique? Oh non, ce n'est... Oh, oui, tu as raison. Cupide, ma famille n'a que très peu de liens avec les royales. Alors... s'il s'avère qu'en fait, j'ai choisi le destin dont j'avais envie, est-ce que ça signifie que...
que je ne suis pas une royale, mais plutôt une rebelle. Blondie, les royales aussi doivent faire des choix. Ils choisissent de suivre la tradition et de faire honneur à leur conte de fées. Et si tu sais qu'au fond de ton cœur, tu es une royale, alors il faut que tu le dises à tout le monde. J'ai retrouvé la trace de mon oncle Elmer jusqu'à cette branche de notre famille. Et voilà comment, même si nous avons le même nom de famille, nous n'avons rien à voir avec les Charming de la forêt de Nottingham, ni avec les Charming du pays imaginaire. Ni même avec les premiers Charming qui ont débarqué sur le continent. C'est incroyable, tous ces Charming qui ont le même nom mais qui ne sont pas la même famille. Après avoir été capturée par les ours, ma mère a promis d'être bien sage. Et on l'a envoyée vivre dans une chaumière magique, d'où une longue lignée de Lox sont issus. C'est là qu'elle a été proclamée reine de la communauté. Exactement comme sa maman avant elle, et comme la maman de sa maman. Eh bien voilà une histoire parfaitement royale où je ne m'y connais pas du tout. Regardez, c'est Poppy O'Hare. C'est la sœur jumelle de Holly O'Hare et c'est la fille de Réponse. Et c'est son premier jour à Ever After High. Elle n'a aucun héritage à recevoir. C'est Holly qui deviendra la prochaine Réponse parce qu'elle est plus âgée d'un cheveu. C'est toujours vous qui racontez les parties les plus intéressantes. Alors, tu sais déjà quel cours tu veux suivre? Je suis désolée, mais non. D'un côté, la magicologie m'intéresse beaucoup. C'est un cours qui me tente, mais héros-traînement aussi, ça a l'air plutôt pas mal. Ça doit être trop génial de lutter contre les dragons. Eh bien, Poppy, tu dois choisir aujourd'hui même. Tu sais que les cours commencent demain. Ça s'est bien passé avec Baba Yaga? Bien, mais ça va un peu vite pour moi. Elle m'a dit que je devais choisir mon destin d'ici la fin de la journée. Et si tu demandais à tout le monde ce qu'ils aiment dans leur propre histoire, ça t'aiderait peut-être? Holly, c'est génial! Tu es la meilleure! Ce n'est pas facile d'être une royale. Vous savez, c'est tout un travail de rendre un royaume heureux. Mais nos petits amis sont des princes et on vit dans des châteaux merveilleux. Bien sûr, il faut d'abord manger une pomme empoisonnée. Quand on est un rebelle, on n'a pas besoin d'être méchant, ni de détester les pousses de haricots ou les gamins qui y grimpent. Eh bien, quand on est une royale, on vit intensément chaque seconde de la journée. Mais le plus important, c'est d'être la personne qu'on veut être, sans devoir cacher celle qu'on est vraiment. Là, tu as tout à fait raison. Dis-moi, qui t'a fait tes mèches? Ma maman. Il faut que j'y aille. Alors, est-ce que tu as réussi à choisir? Eh bien, en fait, j'ai décidé que je refusais de choisir mon camp. Attends un peu, ça ne va pas du tout, tu dois choisir. J'ai interrogé tout le monde et une chose est claire, c'est aussi passionnant de faire partie des rebelles que des royales. Alors, j'ai décidé de ne pas choisir et de faire partie des deux clans. J'adore ton style, j'ai essayé de décider quel était mon meilleur profil et moi aussi j'ai choisi les deux. Je te promets, hier en princessologie, Apple a récité par cœur la liste de tout ce que les jeunes filles royales doivent porter sur la tête du jour de leur naissance jusqu'à leur couronnement. Alors ça c'est vraiment incroyable, Holly. Hé, petite sœur, on se voit après les cours au salon de coiffure de la tour. D'accord, à plus, grande sœur. Bonjour, Nani Nona. Holly? Non, moi c'est Poppy, la plus jeune des jumelles. Oh oui, bien sûr, ma chérie. J'ai reçu des nouvelles pour vous. Ah oui, quelles nouvelles? Tu sais que ta sœur est plus vieille que toi de 3 secondes. Eh bien, j'ai fait une très légère, minuscule petite erreur. En fait, eh bien, c'est toi. Mais je ne veux pas être la prochaine réponse. J'ai envie d'écrire mon propre destin, moi. Et je sais que Holly veut absolument devenir la prochaine réponse. Comment vais-je le lui annoncer? Tu vois, alors j'ai dit à Apple, écoute, je connais ton histoire mieux que n'importe quel autre conte de fées. Et c'est une pomme rainette rouge que la reine... Il y a quelque chose qui te tracasse? J'ai... Tu vas tester mon nouveau sèche-cheveux. C'est vrai, je te promets, en cours d'hérologie, Darin a escaladé la tour exactement comme dans l'histoire. Tu sais, je commence à trouver ça légèrement bizarre que tu ne prononces pas un mot. Qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, tu sais ce qu'on ressent quand on est au courant de quelque chose, mais... Impossible d'en parler maintenant! Quoi? Maintenant, ça suffit. Je veux que tu me dises ce qui ne va pas tout de suite. Nani Nona a échangé nos certificats de naissance. Tu es la plus jeune des jumelles. Quoi? Mais ça signifie... Que c'est moi qui vais devenir la prochaine réponse. Ce ne sera pas toi. Mais j'avais très envie d'être la prochaine réponse. Et moi, j'avais très envie de toute autre chose. Oh, attends, est-ce que quelqu'un d'autre est déjà au courant? Non. Mais alors, ça pourrait rester un petit secret entre toi et moi. Comme ça, on aura toutes les deux le destin qu'on souhaite. Excellente idée. Merci. Je n'ai plus qu'à me laisser pousser un peu plus les cheveux. Vite! Les bourgeons à peine nés sont déjà condamnés! Traduction, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est sûr!
est-il arrivé au petit bois des merveilles? D'habitude, il est tellement merveilleux. Cette partie de la forêt enchantée est notre lien vers le pays des merveilles. Et elle est aussi la source de toute la folie magique de notre monde. Alors tu crois que si le petit bois perd toute sa folie magique, notre monde perdra toute sa magie également, c'est ça? Mais tout dépend de la magie dans les contes de fées. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Un peu de folie, les amis. Ce qu'il faut, c'est recharger le petit bois en organisant un grand thé complètement fou du pays des merveilles. On va libérer la folie qui est en nous. C'est le moment de vérifier mon foliomètre. Oh, ce n'est pas assez. Une seule solution, faire place à la danse. Pas comme ça. Vous devez danser à la mode du pays des merveilles. On y est presque. Courage, encore un tout petit peu de folie et on aura réussi. Vas-y, Cerise, c'est à toi de jouer. Mais tu sais, la folie, c'est pas trop mon truc. Attendez un peu, moi j'ai une idée. Raven, pas question. S'il te plaît, Cerise, fais-moi confiance. Tu as mis de fausses oreilles de loup pour prendre le thé? Waouh, ça au moins c'est de la folie. Regardez, on a réussi. Pitié, Sparrow, donne-moi un vrai défi. Eh bien, je parie que tu n'arriveras pas à sortir avec la prochaine fille qui passera cette porte, quelle qu'elle soit. Oh! Je relève le défi. Et qu'est-ce qu'on parie? Pourquoi pas? Le perdant devra laver les costumes de gymnastique du gagnant après le cours de natation dans le marais. Vendu! Lizzie Hart? Bonne chance avec celle-là! Comme d'habitude, chère demoiselle, et la même chose pour la dame. J'ai horreur de la mousse! Est-ce que ces fleurs te feront changer d'avis? Je les ai fait pousser en utilisant la lumière de mes dents. J'ai une idée. Regarde, je viens de faire ton portrait. Je suis charmant, oui ou non? Non, tu ne l'es pas. Ah si, je t'assure que je suis charmant. D'ailleurs, c'est même mon nom de famille. Oh, Lizzie! Quoi? Je me disais que ça te plairait de visiter le château sur le dos d'un dragon! Quoi? Tu dois bien admettre que c'était plutôt spectaculaire. Quelque chose ne va pas? J'aimerais sortir avec toi, mais je ne suis encore jamais sortie avec personne. Eh bien, toutes ces choses que nous avons faites ensemble aujourd'hui, c'était un peu comme de sortir ensemble. Mais c'était très agréable. Tu aimerais peut-être recommencer un jour ou l'autre? Est-ce que ça peut rester un secret? Étant future reine de cœur, et j'ai une réputation plutôt redoutable, tu sais bien. Bien sûr, oui, je ne le dirai à personne. Ouais, c'est ça! Frotte bien pour Sparrow Hood! Yeah! Ah, encore une journée merveilleuse pour les royales. Que vais-je manger pour mon petit déjeuner? Oh, c'est le plus charmant petit déjeuner qu'on puisse imaginer. On peut dire qu'Apple a la vie facile, elle. Les garçons sont à son service toute la journée. Ça doit être génial. Et encore une journée merveilleuse pour Apple White. Et voilà mes mignons. Vous êtes sains et saufs. Et maintenant, je vais faire en sorte que ce genre de choses ne vous arrive plus jamais. Désolé, c'est à moi. C'est moi qui ai commandé ce magicuccino au caramel. Non, c'était Sparrow. Il est à moi. À moi. Salut, les garçons. C'est pas grave, prends-le, c'est à toi. Non, il est pour toi. Et voilà, mission accomplie.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Ohé, est-ce que quelqu'un est tombé au fond de ce puits en essayant de tirer un peu d'eau? Je crois que j'ai cassé ma couronne. Attendez une seconde. Tu as vraiment fait du beau travail avec ces bandages, Apple. Vous savez, une royale est toujours prête à tout. Salut Apple, t'as passé une bonne journée? Comme d'habitude. Laisse-moi deviner, la plus belle journée qu'on puisse imaginer. Oui, je dois bien avouer qu'elle a été excellente. Bon, bah moi je vais me coucher. Bonne nuit, à demain. Bonne nuit, Raven. La 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 la. La petite bergère a perdu ses moutons et il mange toutes les chaussures de la pantoufle de verre. J'arrive tout de suite. Le jour se lève sur Ever After High, tandis que les étudiants se préparent à vivre une nouvelle journée comme les autres. Comme les autres? Cette journée ne sera pas du tout comme les autres. Y a-t-il un événement plus délicieux et plus charmant que mon anniversaire? Mon anniversaire. Ne dis pas de bêtises. Je veux dire, est-ce que l'école tout entière fête ton anniversaire avec un grand concours de gâteaux royaux? Mais cette année, il n'y a pas que les royales qui participeront au concours. Je vais te préparer un gâteau aux pommes comme tu n'en as encore jamais goûté. Ce sera un gâteau aux pommes empoisonné, je suppose. Tu ne serais pas la digne fille de la méchante reine si tu n'essayais pas de m'empoisonner. Tu as déjà oublié le jour de l'héritage? Je suis libre de choisir mon destin maintenant. Et dans mon gâteau, il n'y aura que du sucre, de la cannelle et une petite pincée d'amour. Ce n'est pas incroyable. Raven ne va pas essayer de m'empoisonner. Oh, j'ai besoin d'une potion aux herbes. Si seulement on pouvait faire quelque chose. Oui, mais on ne peut quand même pas obliger Raven à l'empoisonner. Ah, excellente idée, Ashlyn. Je vais mélanger une mixture à ma façon au gâteau de Raven. Et Apple s'imaginera qu'elle a essayé de l'empoisonner. On pourrait peut-être simplement la réconforter en faisant un peu de shopping. Oh, Daring! Un gâteau avec une photo de toi. Comme c'est charmant. Et voilà le fameux gâteau de Raven. Goûte-le. Apple, tu as oublié? C'est moi ta goûteuse officielle. Hein? Il faut que je m'assure que tous ces gâteaux sont sans danger. Waouh, tellement savoureux. Et moi? Quoi? Apple, je te jure, finalement, tu as essayé de m'empoisonner. Non, c'est moi qui... je veux dire... Oui, bien joué, Raven. Tu es une vraie méchante reine. Brillard. Il faut que j'y aille. Oh, pourquoi je n'ai pas été changée en phénix? Tant pis. Allez, j'y vais. À plus. Oui, je suis pressée. Je ne peux répondre à aucune question. Oups. Désolée, il faut que je file. Et cette salade vient de me rappeler quelque chose. Il y a des soldes très charmantes à la pantoufle de verre. Comment une salade peut-elle te rappeler que... Tu es mignon. Alors, qui veut faire une virée shopping après les cours? Moi, bien sûr. Oh, je ne peux pas, je participe au concours de beauté des royales. Mais je ne voulais pas vous le dire, les filles, parce que je croyais que vous trouveriez ça idiot. Mais j'adore fêter notre beauté et le fait qu'on ait des filles géniales. Ce n'est pas idiot, Cédar. Montre-leur ce que tu sais faire. Un plus grand sourire, Mademoiselle White. Plus grand, Mademoiselle Beauty. Comme celui du chat de Cheshire, Mademoiselle Wood. Je commence à avoir mal aux joues. Eh oui, il faut souffrir pour être belle. Oh, ces chaussures sont tellement inconfortables, mais comment peut-on marcher avec ça? Gracieusement, ma chère. Pour la partie du débat du concours de beauté, votre sujet sera pourquoi la beauté est-elle infiniment plus importante que, eh bien, que tout le reste. Non mais, madame, attendez un instant. Je croyais que le sujet de ce concours, c'était ce que signifiait le fait d'être une jolie fille. Pas les chaussures qui font mal. Pas les sourires stupides. Les choses qui comptent, comme d'être intelligente et gracieuse et... Et la beauté qui est à l'intérieur de nous. Oui, elle a raison. Apple, je suis désolée pour ce que j'ai dit à la répétition. Pourquoi? Tu as dit la vérité. Tu m'as permis de comprendre que ce concours passe complètement à côté de ce que signifie véritablement la beauté. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va réinventer le concours. Tu veux dire qu'on pourrait changer le sujet du débat et dire que le plus important, c'est d'avoir du talent et du cœur? Oui, parce que dans le fond, c'est de là que vient la vraie beauté. La vraie beauté signifie vivre chaque jour au maximum et ne jamais oublier que chacun d'entre nous est spécial et possède sa propre magie. Ce que vous avez dit est magnifique. Notre jury a-t-il choisi une gagnante? Ça a été difficile, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis choisi. Le mirror net, il est trop lent. Je n'arrive pas à actualiser ma page, mon chapitre. Impossible.
impossible de partager les chaussures que j'ai trouvées en ligne. Je ne peux pas parler à tout le monde de ce groupe démentiel qui joue au club de danse des chaussons rouges ce soir. Ou alors, vous pourriez faire tout ça en vous parlant, tu ne crois pas? Sauf que l'examen en ligne du professeur Rumpelstiltskin doit être terminé avant le coucher du soleil. Oh, ça j'avais complètement oublié. Ok, c'est la panique. On dirait que quelqu'un mobilise complètement le réseau. Il faut découvrir qui c'est. Humphrey, tu restes ici et tu te débrouilles avec ces câbles pendant que nous, on fouille l'école. D'accord. Faites confiance à Humphrey Dumpty pour tout remettre en état au plus vite. 933, 934, 935... Daring, tu utilises MirrorNet? Oui, et comment? Je télécharge les quelques milliers de chefs-d'œuvre de ma dernière séance de photos. Ça, c'est plutôt brutal. Mélodie, es-tu en train de télécharger des fichiers super lourds sur MirrorNet? Juste tous les remixes existants de... Hé hey! Oh mais non, ça c'est vraiment pas sympa. Le MirrorNet est toujours aussi lent qu'un troll. C'est affreux, il ne nous reste que 2 heures pour faire notre examen en ligne. Il ne nous reste qu'une seule chose à faire. Nous rendre au cœur du MirrorNet. Maintenant nous allons découvrir qui a véritablement... Oh, professeur Rumpelstiltskin. Alors c'est vous qui ralentissez tout le réseau MirrorNet? Laissez-moi deviner, pour qu'on échoue et que vous puissiez nous mettre en retenue. Et vous obligez à changer toute ma paille en or. Ça ne se passera pas comme ça maintenant qu'on connaît votre petit secret. Je suis sûre que notre cher directeur appréciera beaucoup cette petite histoire. Je vous propose d'annuler l'examen et de nous laisser un peu plus de temps pour étudier. Très bien. Et je crois qu'il serait juste que notre cher professeur répare les dégâts qu'il a causés sur notre MirrorNet. Oh, il semblerait que vous ayez des difficultés, professeur. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. But now you're feeling like a different.